Dans le dossier conflit qui gagne dans rivière massacre entre pays Saint-Domingue avec Haïti, bagay la dégénéré. Bagay yo vin pi grave, yo pi empiré. Luis Abinadel pap bay vague, elle dit li pap accepter des ordres. Luis Abinadel prend décision jodi a la, il fait konnen demain vendredi a pays Saint-Domingue ak fermé totalement. Ni en l'air, ni à terre, ni sous la mer, pièce pour ne pas voyager entre en République Dominicaine. Ça, c'est décision qu'il prend dans le pays là. Luis Abinadel, frère, qu'on est tout, la mer a été disponible, il y a plusieurs chats blindés qui chargent avec soldats l'armée dominicaine qui sont frontière pour respecter l'autre. Ça. De vrai, demain, vous venez à tomber là. 6h boule le matin, frontière fermée. Ou pas qu'à prendre avion, ou pas qu'à passer sur la mer, ou pas qu'à passer à pied, ni sous machine pour entrer en République Dominicaine. Mais c'est ça, c'est à cause canal, moun wan la met en fait là, pour prendre de l'eau dans la rivière massacre là. Et Luis Abinadel dit qu'on s'allie même, pays par là qui c'est Saint-Domingue. Li pas accepté des ordres. Qui des ordres haïtien fait? C'est question à poser. Est-ce que pour un petit prise de l'eau, nos rivières qui passent tout près nous, sous territoire pas nous, ce sont des ordres? Eh bien, Luis Abinadel fait plus gros des ordres que Haïti. Et des ordres qui te fait, qui est-ce qui sanctionne? Je vous rappelle, c'est nous-mêmes qui 11 prises, li prend dans la rivière massacre. Et nous-mêmes haïtiens, nous pouvons. Premier prise on apprend devant que même couler dans rivière il dit comme ça oh oui nous faire des ordres et lui même est-ce qu'il pas fait des ordres c'est question qu'a posé nous pas gain réponse. Luis Abinadel sanctionné 9 personnalités dans pays d'Haïti. Mes amis, c'est grave oui. Luis Abinadel qui c'est président en République Dominicaine non il sanctionné Louko Désir, qui c'est journaliste, qui n'a émission Matin Débat. Luis Abinadel sanctionné, Wannick Pierre, Joaceïs Nadé, Jacques Sauveur Jean, Adoué Zéphiré, Jean-Baptiste Bien-Aimé, Camille Samson, alors, Widlin, Pierre avec Jean-Tel Joseph. Les sanctionnés Mounsayo pour ne pas entrer sur le territoire là. Et président Abinadel qualifié compatriote Sayo comme provocateur qui a baillé Sipoyo pour finir le canal Rivière Massacre dans Wanamet. Depuis son monde qui a supporté. Travail ça qu'a fait là. Mais Wanamet va tomber en bas sanction. Ça pouvait me clair. PM Ariel Henry était en contact avec Luis Abinadel depuis le même jour. C'est raison pour laquelle Ariel Henry pas jamais dit rien. Notre travail qu'a fait là. C'est notamment que ouvert bouche qui ne bagaille ça. Luis Abinadel a bail carton rouge. C'est raison ça qui fait que lui fait silence. D'ailleurs, nous connaissons Ariel son torchon chaudier, Ariel son toile mouillée, Ariel son papier hygiénique. Il pas mettre tête lui. Et on doit se poser là pour servir avec elle. Imaginons, pour Pepou, comme Ariel lui-même était comme président, premier ministre, pour Pepou, avoir un canal pour prendre de l'eau, pour carouser terre, pour planter. Et puis tout pas je me dis rien. Dominique part avec gros âme de guerre, gros âme fond de foi. Yo prête les âmes sous haïtien yo. Ou pas je me dis rien. C'est agent Bessapio qui campé red en grenadier à l'assaut qui fait que moun yo, femme, garçon, vaudouisant, chrétien catholique, chrétien protestant, chrétien adventiste, yo tout met religion sous côté. Je mets mes ensemble dans pas là
pour faire canal là, pour jouer de l'eau, pour bailler Marie Barou, manger pour ces terres. Kounya là, nous jouons Luis Abinadel, qui c'est un arrogant, qui c'est un raciste, les sanctionner, neuf mouns yo. Et tel ou elle de tout, lui va sanctionner là. Tout ça qui paye pour Moïse Jachal là. Parce que Moïse Jachal te débarqué. Non, Wanamet pour te visiter travail là. Elle te fait une déclaration. Neuf mouns yo, n'a pas pour yo. Qui c'est? Louko Désir, Wanik Pierre, Joaseus Nadé, Jacques Sauveur Jean, Adoué Zéphirin, Jean-Baptiste Bien-Aimé, Camille Samson, Woodline Pierre, et Jean-Tel Joseph. Li provoke moun sa yo, de provokate. C'est ça. Li qualifié compatriotes nous yo. De pour parler de rivière ça. De pour supporter. Travail qu'a fait la Wanamet, ou a tombé en bas sanction pays ses domaines. Ça veut dire là, bagarre la plus grave que j'ai pensé. Canal là, c'est pour travail petit lié. Nous sabinan de comprendre. Li wè que haïtien yo vle changer fisio aux épaules. Haïtien yo coupé fâché avec Saint-Domingue, il y a un message clair pour Luis Abinadel. Il est rapide, vite comprendre. Et peut-être ça, il est venu rancunier. Il vient gagner une arrogance. Il ferme les frontières. Demain, si vous êtes venu là, 6 heures de matin, frontières fermées. Oui. Direction générale, migration, République dominicaine, il recevra l'ordre. Par président Luis Abinadel pour refuser accès avec 9 citoyens sa yo qui sont cité là ou tande yo et gen moun volontairement qui ki a quitté territoire Saint-Domingue pour entrer Haïti. C'est image sur l'écran sur écran là côté divers haïtiens getan quitté Saint-Domingue pour entrer la caillou Haïti. Parce que yon dit, Luis Abinadel, ton raciste, n'a pas dit de l'eau dans la rivière, massacre là, lui fâché, lui estomaqué. N'a gardé Imasa, n'a gardé manette chargé, ça c'est haïtien. Yon met gardé sous tête yon, yon fait manette yon, yon traversé là, vin dans le pays d'Haïti. Parce que, si yon baguette en sorti, li ka trop tard. Li ka tonta pou yo parce que jwet mwen Luis Abinadel jwe la nous se l'attendé li mete bis sou place pou voye tout haïtien la kayo pou le di Dieu jodi la nou pa zanmou encore nou koupe fache avou retou la kayo ou moun la tande sa oui nou je di nou mwen menm m pa prophète de malè décision sa ke moun Wanamet pran la. Il n'est pas fait, Luis Abinadel bien dit tout. On regarde l'image ça. L'image qui est sur l'écran là. On croit que c'est Jimmy Dizay qui fait. On a bien regardé. Il fait Dizay ça. Dans l'objectif canal là, mission de la guerre. Si toutefois, le canal là fait vraiment vrai, d'après Jimmy Dizay, si tout le monde a planté. Il a utilisé de ça bien dans bon sens li joue image ça sur écran là c'est comme ça Wanamet Marie Barou allié dans jou ka vini là nous ka regarder li mette quelques agents Bessap campé oui li mette agent Bessap il va la médaille Haïti non Bessap parce que si la médaille Haïti t'a même que frère bouche dans cause ça Luis Abinadel a perdu pouvoir. Nous avons agent Bessap yo campé là, il a sécurisé plantation. Parce qu'on connaît Dominique gen bagay pour détruire plantation nous. Regardez, il mettait des et caloge sécurité, ticket sécurité yo, il mettait agent Bessap la donne
il fait n'importe 3 4 fenêtres et nous il y a agent Bessap qui sous canal là. Ça c'est une description. Un projet. Je le fais là, regardez, ça ça planté là, il y a lecti ou bien chou qui planté là avec notre bail encore. Ça c'est travail. Jimmy Design Haïti, si toutefois quand elle a fini mon yo bien utiliser canal là, yo vous êtes à planter tout bon vrai, n'a bien qui choy pour nous bailler manger. Et ensuite canal ça, yo bien mon qui demandé est-ce que canal ça ka voter non ancien président Jovenel Moïse. Sous d'accord, quittez un commentaire pour moi en bas dans vidéo. Dis-moi, est-ce que d'accord pour canal ça porter non président Jovenel Moïse? Canal ça, c'est Jovenel Moïse qui t'a commencé. Yo tué Jovenel Moïse, il pas fini. Paysan yo décidé avec zone yo pour finir. Et l'argent qui était disponible, qui était disposé pour te faire canal ça, à nos jours là, li là. Mais nous connaît pas gain et balé qu'a fait travail là. Population pas gain autorisation avec comme ça. Yo obligé demander juste pour l'argent. Pour mettre sur ça au gagné, pour acheter bloc, ciment, fer, pour travailler. Et travail ça, Louis Abinader n'est pas content. C'est la raison pour laquelle il sanctionne 9 personnes dans le pays d'Haïti qui ont supporté le canal là. Il dit que c'est pour le catéchisme qui est sanctionné pour ne pas entrer dans le pays Saint-Domingue. Et ensuite, demain, on a dit qu'il est venu là, 9h du matin, 6h du matin, pardon. C'est nommé à fermé complètement. Et soldats dominicains qui étaient sous frontière pour venir en l'air, venir à terre, venir en mer pour plus haïtien pas entrer. Si ça fait que il y a un pile haïtien là qui t'a fait mal pour entrer à Haïti pour dominicain pas humilier en République dominicaine. Malé, rendez-vous dans la prochaine émission pour nous venir traiter un autre dossier et nous allons vous informer des canaux là. Parce qu'il y a une grosse cérémonie mystique qu'a fait non sous frontière non travail qu'a fait dans le canal là où gars motivé chrétien a voué prière en l'autre bord où gars a boule magie persévère parce qu'on est nous-mêmes canal ça nous besoin pour nous éter nous pour nous planter pour nous bailler population à manger et à cause ça nous est que Luis Abinader fâché pour que nous est loin nous est glossa. Nous devons quitter, nous connaissons l'importance de l'IA. Je veux dire, nous connaissons l'importance de gloire. Nous décidons pour un petit prise à donne. Luis Abinader dit, oh oui, nous faisons des ordres. Tandis que lui-même, il prend 11 prises à donne. Pas de monde qui est sonnel, pas de monde qui dit comme ça, oh oui, lui fait des ordres. Malé, rendez-vous dans la prochaine émission pour nous faire quitter l'autre dossier. Oui, gouvernement haïtien doit gagner une réponse diplomatique au tadoué bay ak République Dominicaine dans cas dossier rivière massacre si yo pas impliqué dans sac passé. Plusieurs acteurs politiques bat bravo la contentement pour démarche ça moun Rwanamet prend pour reprendre travail construction prise de l'eau dans rivière massacre pour le carouser plan attention yo qui sac tadoué fait qui sac te dit qui dit dans traité qui était signé entre deux pays yo en suivant dossier spécial à Adjani estimable Saint-Fleur. Voilà, petit problème technique avec un reportage spécial ça à Adjani estimable Saint-Fleur réalisé pour nous concernant le gouvernement haïtien et qui est même t'adoué par une réponse diplomatique avec la République dominicaine. En venant le jeune Adjani et guerrier du seul, c'est pour raison ça même nous on a parlé là sous question problème qui existait, pour bien conflit a existé entre Haïti avec Dominicani sous question canal là qu'il faut aller chercher document. On a chercher document guerrier du seul, nous bail détail parce que ensemble de problèmes avait s'est posé là, sont série de problèmes qui résout déjà et deux parties ont entendu yo signé une déclaration conjointe. Donc si vous voulez résout déjà, nous bail jodi a pour qui ça fait tout ça au niveau de la République Dominicaine notamment à moins que maladie Abinader souffria, c'est pas lui. Lundi docteur. On a le prend Adjani pour reportage spécial ça. Alors ce travail canalisation ça dans rivière Massa qui était déjà commencé, c'est arrivé campé sous administration Jovenel Moïse, quoi nous songer ça.
population dans Rouenamet et décidé eux même continuer travail ça qui permet de user jardin pour te produire manger. Et un travail qui levait plume sous d'eau, président dominicain qui décide de bloquer visa pour haïtien, fermer frontières et la trier. Pression président Abinader, pas faire moun Rouenamet ni chaud ni fret, travail yo avancer comme ça doit. Je répète ça qui gagne en deux pays yo, gagne deux aspects qui important en pile dans droit international côté Haïti et Dominicanie, ta doit mettre tête sur ensemble pour résoudre crise si là d'après ancien diplomate Pierre Antoine Louis. Ça va passer à deux aspects pour moi. Il y a un aspect juridique qui est aspect qui est plus important parce que dans l'article premier, sous crasse frontière là, de la baie de Mancini au nord jusqu'à un sapit pédanales à le sud, lui-même d'où libre passe Glolio, lui explique au de fond en comble qui sa frontière là est. Donc d'abord, question son question, sujet à son question juridique. Maintenant, dans le droit international, si il y a un cours d'eau qui est sous frontière, que cours d'eau en amont prend naissance dans une nation et comme rivière au gain dans serpentine et puis il vient dans l'autre pays là maintenant même pays côté Koudoua prend naissance là pas qu'à disposer de Koudoua changer. Pour ancien premier ministre Claude Joseph, c'est incompétence autorité l'état yo qui cause lui Abinader à pawaser comme ça dans dossier ça. Ça a qui montré et une autre fois encore faiblesse diplomatie haïtienne. Non pas violer parce que traiter ça a 10 fois ressources qu'on a en commun yo, non utiliser de façon juste et équitable. Utiliser plus que 10 fois sur rivière ça. Pas violer engagement non gain avec eux, même j'ai toujours violer engagement non gain avec eux. C'est eux qui violer déclaration conjointe que nous signons avec eux dans fin mai 2021 le premier ministre. Côté yo même yo te reconnaître. Agressivité politique président dominicain Luis Abinader, c'est parce que Pierre Soukou quelque dirigeant politique. Politologue Pierre-Antoine Nuit a expliqué. Monsieur Abinader est traité flamboyal la Kaili. Il fait à des fins électoralistes parce que monsieur voulait démontrer que la tourée qu'on a avec Haïti, d'autant plus que nous avons l'excuse avec contrebande d'affaires sur frontière là, avec violence effrénée que nous avons fait Haïti. Et puis monsieur pensait tout, il y a un levier parce que les élèves haïtiennes, vous répétez, même le monde de la classe moyenne, vous répétez à l'école dominicaine, à la question de santé, à l'achetant au mariage. Le costume de la République dominicaine, c'est le grand plaisir, mais ça n'a pas de politique industrielle. Et M. Assantini a été conquis. Déjà, il voit que nous n'avons pas l'armée, déjà, nous avons une police femme qui a des difficultés pour prendre nos sécurités, selon sa officielle, il a dit. Donc, la bête utilise nous pour le faire et politique. Et loin, ancien diplomate l'a fait connaître. Occasion ça, t'as dû y manier pour Haïti reprendre souveraineté comme peuple. Il n'est pas normal pour ces Saint-Domingue qui a fait nous leçon. Et diplomate la clé sous ça. Ok, mais pas diplomatique pour nous. Donc mes amis, nous prenons notre idée, nous prenons le bon protocole qui prévoit qu'il y a un arbitrage là-dedans tout, qui prévoit qu'il y a un bon différent pour différents traités. Donc faut que nous les traités, faut que le ministère des Affaires étrangères, avec les conseillers en géodésie, pour parler des questions, hein. Et puis faut prendre un plan de travail qu'on fait là. C'est l'autorité qui dans l'État qui t'a dû camper en face piquer devant le président dominicain. En tout cas, silence premier ministre Ariel Henry. À tout membre dans gouvernement, montrer à les premier ministre là, camper bon côté dominicain yo, d'après ancien chef primatia Claude Joseph. Nous reconnaître que le gouvernement Ariel l'a cédé à pression dominicaine. Parce que son gouvernement illégitime, impopulaire, décrié, son gouvernement qui comptait tout appui sur la communauté internationale là. Donc les dominicains ont pas pression, gouvernement voyait négocier avec yo, et gouvernement prend pour dominicain yo, compte haïtien. C'est peut-être ça. On a demandé population dans nord-est là, pour yo vigilant. Passer des pressions, paix, pression sur l'État haïtien. Ancien diplomate là, mandé gouvernement pour yo uni yo pour bailler une réponse diplomatique avec président dominicain dans dossier si là. Parce que pour le moment, si on a nous besoin unité. Mais faut qu'on interpelle tout le monde qui gère l'État à plus de responsabilité. Il est vrai que mon pas qu'à gouverner dans l'émotion, mon pas qu'à gouverner dans la sentimentalité, mon gouverner plutôt dans le droit, dans la justesse. Mais ne serait-ce qu'au niveau politique, gouvernement bon réponse pour le bail, une réponse qui est bien calibrée, une réponse qui est basée sur la loi. N'a pas rappelé, République d'Haïti et République dominicaine, t'es signé ensemble deux traités sous délimitation frontière qui t'es signé 21 janvier 1919 dans ce domaine. Et puis deuxième traité, qui t'es porté dans le traité de la paix amitié et arbitrage qui t'es signé dans ce domaine dans le 20 février 1929. Deux traités, ça y est, délimité frontière sur un bon. Et puis un autre bon,
établi un protocole pour résoudre conflit yo, mettez sous ça gagne une commission conjointe binationale qui responsable pour adresser problème nan intérêt mutuel tant comme migration, commerce et la trie. Malgré de accord ça yo qui était signé en deux pays ça yo, est-ce que gagne une réponse diplomatique à bay? En tout cas, pile moun wè Abinaden voulait comporter comme maître région, l'elle décidé en pile fois fouiller pied bien long dans affaire tant pays a. N'a signalé pays Saint-Domingue déjà prend plus passé 10 prises dans rivière massacre pendant y a tiré pied pour Haïti qui finalement voulait prendre une prise pour user jardin yo ça qui selon information yo pas déranger protocole qui était signé en deux pays yo sous question ça est-ce que nous gè dirigeant Adiane Oximable Saint-Fleur Caraïbes FM. Merci en pile Adjani Oximab Saint-Fleur pour dossier spécial ça rapport commercial entre Haïti et République Dominicaine. C'est un rapport qui fait profit pays voisins alors que le pas rapporté Haïti trop bagaille. D'après économiste c'est Jeremy le pays d'Haïti c'est marché qui pi important pour République Dominicaine après États-Unis. Ça qui veut dire fermer frontières c'est un gros coup pour une série d'entrepreneurs dominicains qui exportaient presque seulement en Haïti. Ont profité de tension qui a pas développé sous question canal rivière massacre pour nous retourner sur rapport commercial entre deux pays à travers reportage ça Max Stanley l'éveillé réalisé pour Caraïbes FM. Rapport commercial entre Haïti et République Dominicaine. C'est une relation mi-ou-mi-bas. Économiste Tankou Edzer Emile dit son relation déséquilibrée. Chiffres sous transactions commerciales en deux pays ont montré ça clair. Signe quoi économiste là? Commerce la fête dans seul sens. Ça veut dire qu'il y a un monde qui a profité de lui. Il y a un monde qui n'a pas profité de lui. Et le monde qui a profité de lui, c'est ce domaine. Et si vous avez vendu, vous n'avez pas acheté. En 2022, ce domaine est vendu à Haïti pour 1 milliard point. 20 millions de dollars, nous-mêmes, nous avons vendu ce domaine pour seulement 12 millions de dollars. C'est comme si m'da dit, sous chaque 100 dollars commerce qui fait sous frontière de pays, ce domaine vend 99 dollars, nous vendons bon dollars. Réalité ça, c'est pas produit en hasard. Ce côté mauvais politique, l'État nous a fait production nationale et Jeremy Lkwe, c'est résultat yon ensemble événement historique qui pas jamais sans conséquence sous production nationale là, mais qui fait profit République voisin qui toujours bien positionné pour jouer un avantage yo, chaque événement ça ou parmi eux événement politique avec phénomène naturel. Un premier moment, c'est nous même monter sous dos nous n'a fait commerce, c'est pendant période coup d'état embargo 91-94. Dans moment ça, j'étais profité pour vendre nous vu que nous t'ai un blocus Nations Unies ou OEA États-Unis, nous pas acheter. Et deuxième choc c'était en 2010. Commerce a vite monter sous nous encore. À preuve de 2009 avant tremblement à 2011 après tremblement, commerce Saint-Domingue voyait vendre Haïti augmenter 60%. Même gens, pendant récemment là, pays a fin grasé net, ils profité en pile pour augmenter le commerce qui était dans une zone 800 millions de dollars. 5 ans de cela, je dis qui dépassait 1 milliard de dollars. Chiffre sous commerce formel entre deux pays ont montré clair, Haïti c'est un marché important pour pays voisins. Même si Haïti pas premier partenaire commercial République Dominicaine dans ça qui gagne pour exportation, mais après États-Unis, Haïti c'est plus gros destination, yon latrier produit dominicain. Ça c'est domaine vendre à l'étranger 13 millions de dollars. Ça veut dire que par Haïti à 1 milliard, ça revend total, c'est 13. Ça veut dire que Haïti représente à peu près 8% de commerce que ce domaine gagne dans le monde. Qui vient fait que Haïti, c'est le deuxième marché qui est plus important pour ce domaine après États-Unis. Alors, ce qui Haïti importé en pile dans la République Dominicaine, chiffre sous exportation sorti Haïti pour traverser frontières a montré pas de trop produits qui sortent dans le pays pour aller République Dominicaine comparé à chiffre dominicain. Ils vendent des produits qui sont faits à coton, des produits qui sont faits à plastique, ils vendent nos produits alimentaires, ils vendent nos faits, ils vendent nos ciments, ils vendent nos céréales, farine, épices. Papier, non seulement cité 8 catégories qui sont beaucoup plus importantes dans ce que nous vendons. Nous-mêmes qui ça nous vendons, nous allons vendre grand chose. Deux, trois packs industriels, que ce soit Côte d'Ivoire qui est là sous frontière, et de l'autre encore, là où fin produit slip, maillot, chemisette, comme nous bagnons, c'est appareil technologie pour nous finir. Nous allons voir ce domaine fini pour nous mettre ça à chèvre et vendre aux États-Unis. Non, sans ça, pour économiste, frontière haïtiano-dominicaine a une importance capitale pour pays voisins. D'ailleurs, et Jérémy Soulier, qui est un latrier exportateur dominicain qui gagne Haïti comme seul
seul marché pour vendre produits qui donc fermer frontière c'est un gros coup pour eux même si ça pas sans conséquence sur Haïti. Une grande équipe entreprise Saint-Domingue qui dépend en pile de l'exportation à Haïti. Et gouvernement dominicain pas gain capacité pour résister avec ça. Donc nous avons un exemple de Saint-Domingue vend à Haïti 50 millions d'œufs par mois. Producteurs de ça a d'accord que pour pas vendre œufs à Haïti, ça va le faire avec. Et surtout que nous connaissons une quantité produite c'est domaine à 26 sur Haïti au Cavan. Bah moi dis ça il y a des rapports qui clairs sur ça sur des produits comme viande pour une équipe de bagaille. N'a souligné déjà gain plusieurs associations producteurs dans République dominicaine qui commençaient baisser prix produit ça quelques jours après marché binational là dans frontière ville Guanamet avec Darabon fermé ça qui réduit quantité de demande zé dominicain d'après journal Diario Libre. Mark Stanley l'éveillé Caraïbe FM. Merci en pile Max Stanley l'éveillé n'a pas toujours été dans chapitre ça République dominicaine a plus gros perdant s'il décide fermer frontière li gagnent avec Haïti d'après Enomi Germain économiste là avancé plusieurs hypothèses pour montrer ça d'après économiste là c'est pour plus passer 950 millions de dollars vête compo pays Saint-Domingue exporté dans pays d'Haïti professeur université a plaidé en faveur une commission médiation dans mitant deux pays pour y joindre une solution à conflit qui gagnent sous affaire construction canal dans rivière massacre pendant le salier les esprit solidarité qui traverse la population. Voilà maintenant, yon compte rendu signé Reginald Remy. Dossier construction canal sur rivière Massacla continue soulever en pile réaction dans mitan divers secteurs dans la vie nationale là. Organisation cap défendre droit monde, dirigeants politiques, membres dans société civile là paraît en colère face à comportement raciste gouvernement dominicain par rapport à construction canal si là. Qui ensemble conséquence mesi autorité dominicaine yo annoncé y a gain sous économie deux pays yo qui ensemble avantage construction canal ça porter pour économie pays a économiste Enomi Germain a popiné. Il est clair que la zone du côté d'Haïti sont zones qui pratiquent agricole. Avec un rivière comme ça, il est capable de participer à renforcer la productivité au niveau de la zone, c'est-à-dire la production agricole au niveau de la zone en quelque sorte. Donc ça, c'est son premier niveau. Donc c'est là, mon très limité. Mais maintenant, ça me cadeau. Par rapport à la question, si crise la perdurée et rapport commercial entre deux pays qui ont très affecté, qui répercussions, ça n'a qu'à gagner. Et bien, sur le plan des flux commerciaux, justement, c'est encore beaucoup plus dommageable pour la République dominicaine. T'as oublié, la République dominicaine exporte beaucoup en Haïti. On ne veut pas dire que Haïti est très très déterminant pour la République dominicaine. Enomi Germain basé sur dernier chiffre qui est disponible pour montrer République dominicaine à plus gros perdant si l'État décide de fermer frontières les gains à Haïti. République dominicaine c'est le deuxième pays qui exporte plus en Haïti après les États-Unis d'Amérique. Si on prend les données de 2021 par exemple, c'est quand même pour plus passer 950 millions de dollars américains que la République dominicaine a exporté en Haïti. Donc Haïti importé non mais. Alors que quand vous regardez le cas d'Haïti, parmi les quatre pays que Haïti exportait plus, c'est pas la République dominicaine. La République dominicaine n'est pas la donne. C'est d'abord aux États-Unis d'Amérique que Haïti exportait, c'est ensuite au Canada, c'est le Mexique, c'est l'Inde, etc. C'est-à-dire que sur le plan justement de flux monétaire que rapport ça a généré, c'est pas Haïti qui a plus grand perdant. Si c'est vrai, République dominicaine a fait un pile déficit, mais ça capable d'affecter la population. C'est une quoi économiste là, à cause Haïti importé en pile produits alimentaires qui sortit dans le pays ici là. Dans une logique de non-importation de la République dominicaine, est-ce que Haïti a une capacité pour que les substituer automatiquement à l'importation ça à travers sa production 1 ou bien à travers le développement de l'autre rapport commercial avec l'autre pays pratiquement. Donc c'est là justement que question à poser. Mais maintenant, analyse ça, on est dans l'hypothèse, on est dans le domaine de l'hypothèse, mais en tout cas Sam Gado, c'est justement crise d'arrivée à son paroxysme et rapport commercial très affecté, la République dominicaine en matière monétaire qui est beaucoup plus à perdre qu'à pour éviter crise là dégénérée, économiste l'a plaidé en faveur en médiation pendant le salier détermination population en Wada maintenant. Il faut qu'il y ait une médiation. Il faut qu'on médiation par rapport à la question ça. Il y a des instances internationales qui interviennent sur la question ça. Eh bien, écoutez, il doit justement partir bien la question pour que yo aidé du pays qui se problème ça poser. Son exemple de solidarité sont pour moi-même une rochelle de fierté.
fierté, une recherche de fierté, notamment par rapport à la République dominicaine. Parce que, pas oublier, nous sommes un pays dans lequel les motifs de fierté n'existent plus. Comme il n'a pas existé, ni par rapport à la République dominicaine, haïtien voulait montrer que le cas bataille, il voulait montrer même qu'il y a plus de détermination pour l'État. Évidemment, c'est une initiative que nous saluons. Travail construction canal Lapra poursuivre dans Wanamet. Paysans ont déterminé, malgré menace gouvernement dominicain, ils n'ont pas décidé de faire bac. Femmes ou garçons professionnels dans différents domaines mettent tête ensemble pour que le canal la construit. Il y a un exemple de solidarité qui montre si nous arrivons à mettre tête ensemble, le pays est capable de prendre autre changement et développement. Il y a une délégation qui a sorti à Haïti, TAD, ou rentre dans le pays voisin pour discuter avec l'autorité dominicaine sous dossier ça qui risque de déboucher sur un conflit diplomatique. Qui résulte à sa pral poté, est-ce qu'il y a privé convaincre l'autorité dominicaine qui déjà a 11 prises alors que Haïti a construit un seul sous bien fondé démarche pays d'Haïti, c'est question qu'a posé. En tout cas, plusieurs secteurs dans la vie nationale là, pas si spawn, mettez en question capacité autorité par Boïsite pour taquer tête avec autorité raciste pays panyol, là yon considéré en pile dirigeant en pouvoir qui a gros intérêt dans pays Saint-Domingue. Reginald Rémy, Caraïbe FM. Mon cher Pendant Reginald Rémy souligné que une délégation haïtienne qui est allé en République dominicaine, notamment dans Santo Domingo, pour aller chita parler avec homologue de l'autre bord sur question ça. Moi, j'ai lu des commentaires sur les réseaux sociaux. Il y a un plus intéressant passé l'autre. Par exemple, il y a Ralph Teddy Ewol qui a tout une la matinée, qui dit comme ça. En tout cas, la République a dit qu'il n'y a pas de pièces haïtiennes à négocier pour lui. Donc, ça veut dire n'importe ça crivé. Chercher un souffle de l'autre bord. C'est pas qui garde. Mais un autre qui est plus sérieux et réel faut considération, même pas ce qui est censé. Je dis, on va concerner un grand massacre qui peut être traversé deux pays. Avait dit qu'il y a conflit entre deux peuples là sous question ça. Mais maintenant, pour ça, c'est Santo Domingo. Donc, on l'a fait, c'est nous qui obligeons Santo Domingo. Alors que, en toute logique, ça a dû faire dans l'espace neutre. Mm-hmm. Vous comprenez? Même Jean, nous devons dire délégation dominicaine pas obligée d'entrer pour l'Ouest, mm-hmm. mais nous autres, nous pas obligés d'entrer à Saint-Domingue, comme nous devons décider de rencontrer quelqu'un par d'autre. Mm-hmm. Vous comprenez? Mm-hmm. Sous pour nous poser des problèmes, non? Vous comprenez? Mm-hmm. Donc, nous pensons que ça fait sens. Vous devez estimer que c'est simpliste, mais il fait sens. Mm-hmm. Vous comprenez? Yeah. Et puis, l'autre bagaille, une auditrice qui est très avisée, l'autre bagaille, qui dit qu'il faut une vieille Dominicani, il y a une bonne passée. Nous faisons un an là. Mm-hmm. Et puis là, il y a quelqu'un qui a donné le poison et il a donné tout. Quelqu'un qui a joué nous jouer de l'eau en bagasse avec lui. Bon, si niveau haine, oui, oui, c'est exagéré. Exagéré. Avec dit, il y a quelqu'un de l'eau là et puis il a fait plus mal. Non, mais avec lui. Il y a quelqu'un qui a gagné, il ne savait pas faire parce que si il y a quelqu'un capable de bataille pour empêcher, non, pour une prise, pendant qu'il y a 11 jours même, ouais, donc pas gagné quelqu'un qui a empêché de faire ça, non? En tout cas, na absolument. OK. Nous allons parler Johnny avec citoyen ça qui c'est Josapha et bon regardez non Antoine Neus qui est même c'est principal responsable en organisation dans pleine Marie Barreau qui c'est KPSKPM donc une organisation nous t'a dit qui a mené activité ça n'a pas là dans nord-est pays. Donc, nous allons essayer de parler avec lui pour être capable de comprendre plus de canal ça qui a fait dans la zone rivière Massacre. Monsieur Josapha, bonjour. Nous disons bonjour, bonjour Gaïe Dessel, bonjour tout auditeur, auditrice radio, Caraïbes, les Grands Boulevards, bonjour monde qui a écouté nous à l'étranger, bonjour Nord-Est, bonjour Haïti, et bonjour tout Haïtien qui est sans Haïtien tout bon, et nous saluons dans nos patriotes. Je vais quitter vous présenter avec toute organisation représentée. Moi-même, c'est Josapha Antoine Eïs, et tout le monde connaît son nom Guillaume, et quatre batailles non perfectes. À la tête, qui c'est KPSKBM, qui c'est coordination des plantes de la plaine de Maribaou, et qui fait liaison avec des ensembles de l'autre organisation paysanne, tant que Matan, tant que APDN, tant que GAM, tant que GAP, qui sont ensemble des organisations paysannes qui ont mené nos batailles pour nous rénover Haïti sur les plans
agriculture pour que nous avons souveraineté alimentaire, pour nous souveraineté du pays, pour nous contrôler le ventre, nous contrôler manger nous à travers le pays. Mm-hmm. Et qui vont nous jouer dans le cadre des activités qui a fait dans pleinement alors rivière massacre là exactement puisque depuis quelques jours là c'est ça qui est actualité en question paysan yo qui reprennent travail qui t'a fait rivière là dans cadre construction un canal pour capable irriguer pleine Maribao côté organisation là Chita qui rôle nous mêmes comme organisation paysan dans cadre travail ça yo. Donc travail ça ou bien bataille canal ça c'est bataille pas nous. C'est initiative pas nous, c'est idée pas nous. C'est pas idée sortie en tête, ils ont ensemble des politiciens traditionnels, c'est pas idée qui sortie en tête du gouvernement, c'est idée, ils ont groupe paysan conscient des problèmes. Nan. Depuis mars 2013, nous Chita n'a pas réfléchi sur la problématique pleine, parce que pleine, c'était longtemps, il y avait le grenier du Nord-Est, il y avait le Sinasso. Eh bien, je dis, depuis, à partir de 2010 ou 2013, il vient tourner au désert, presque au désert. Eh bien, nous disons que, en tant que producteurs, en tant que paysans, en tant que monde qui engagé dans nos batailles pays, nous disons, faut que nous, rénover pleinement de ça le pays. Mais, les nous de rivières, tant qu'on, la rivière Jassa, tant qu'on la rivière Lamatri, tant qu'on la rivière Canary, tant qu'on, Marion, nous, ouais, il y a un déficit et puis il y a une initiative. Il y a un ensemble d'ONG malfaiteurs montés pour éliminer le Nagdao, tant qu'il y a un gouvernement allemand. Donc permettez-nous même, nous si nous réfléchissons, nous disons pour nous prendre un canal Gros Massacre en 2013, mars 2013. Nous camper, nous matérialiser l'IBA. Laisse à nous gagner un sénateur, je m'attends bien aimé qui était sénateur à l'époque. Là, nous avons réunion, nous relèvons pour demander à Vipal sous programme ça. Donc, nous, le ministre, le ministre de Mimose, Félix, et le ministre qui sont venus avec nous, il fait nous savoir que c'est le ministre qui s'est porté ça depuis la gâche, puis l'employé, puis il y a un budget pour qu'il fasse un gros projet. Mais là, il grappille qui c'est qu'il a aidé les paysans en fait. Bon, ça nous commence. Voilà, petit problème technique empêché de continuer à parler avec Joseph Antoine Eus, qui est même dirigeant organisation paysanne au niveau de Plaine. Pendant qu'on y est, quittez-nous lancer appel PSA pour ancien sénateur Jacques Sauveur Jean. Donc, il y a un monde qui a une capacité pour jouer sénateur Jacques Ito, dit Radio Caraïbe APC, rentré en contact avec lui depuis hier, notamment espace Grand Boulevard. Donc, nous pas qu'à arriver faire ça. Donc, 10 sénateurs à rentrer en contact avec nous, c'est très important. On a parlé là de l'ancien sénateur Jacques Sauveur Jean, en pile, le monde connaît son nom, Jacques Ito. Entre-temps, on a essayé de rétablir contact avec l'invité de nos matins, Joseph.